On se fait un resto? Bah on peut pas. Bah si. Ah, c'était la belle vie quand t'étais pubère. Chalençon à 19 ans, l'ami de traînée. Faut dire qu'il aimait les jeunes garçons. Après tu as grandi, ainsi que toute ta collection de vieilles reliques pour réac nostalgique du temps de Napoléon. Maintenant qu'il y a le Covid, plus de resto pour les prolos. Mais dans le camp des bourgeois, il reste un héros. Hey Pierre-Jean Chalençon, mais qu'est-ce tu vas pouvoir dire pour ne pas passer pour un con? Pierre-Jean Chalençon, quand tu nies c'est encore pire, allez balance, on veut des noms. Un jour t'as ramené ta fraise à un anniversaire, celui de Le Pen. Mais bon ça va, t'es pas d'extrême droite, c'est juste que t'aimes dans l'histoire. La banne une ni deux, pris en photo avec Dieudo. Pendant que ça jase sur les réseaux, toi tu viens chouiner sur les plateaux. Je suis pas antisémite. C'est horrible. Ça fait une anecdote assez marrante à raconter. Bon, peut-être que je raconte mal car j'ai oublié de préciser que le présentateur télé en face c'était Morandini, un brave type qui aime mettre les ados dans son lit. Tiens, comme Charles Trenet. Pierre-Jean Chalençon, mais qu'est-ce tu vas pouvoir dire pour ne pas passer pour un con? Pierre-Jean Chalençon, le seul moyen de t'en sortir c'est d'inviter Brigitte Macron. Ah là là, une file d'attente pleine de précaires, des jeunes à l'aide alimentaire, il faut clore l'affaire Chalençon. Pendant ce temps-là, chez l'empereur, les bourgeois vivent un vrai bonheur, perchés au-dessus des lois de la nation. Ah, faut voir le menu, ça donne faim, ça donne envie. Seul de Rugy n'est pas venu, c'est à cause de ses allergies. Du homard et des Saint-Jacques, ça lui donne mal à la tête. Mais ça n'empêche pas le reste du gratin de venir faire la fête. De sa garde à vue, Pierre-Jean est sorti tout content du coup de pub qu'on a fait à son établissement. Le Palais Vivienne, allez-y, c'est comme ça. Pierre-Jean Chalençon, pour t'en sortir avec style, t'as fait croire au poisson d'avril. Pierre-Jean Chalençon, quel dommage tout ce scandale, t'avais même invité Attal. T'es un mélange de Paul Naref, de Claude François et des Claudettes, ouais mais en plus crasse. Comme quand le contrôleur fiscal t'a allégé de 2-3 liasses et que tu l'as traité de fils de... et de sale race. Et si un jour tu fais le malin, depuis ton reste clandestin, prends garde car les insurgés viendront chez toi pour partager tes verrines aux écrevisses, ton champagne et tes petites bouchées, te mettre les chaînes de la justice, ouais, tout autour des poignets. Pierre-Jean Chalençon, n'oublie pas de fermer ton palais quand arrivera le 1er mai. Pierre-Jean Chalençon, méfie-toi des allumettes, on a déjà cramé le Fouquet. Voilà, je fais tourner le chapeau, ça se passe sur Tipeee, mais c'est pareil qu'en vrai dans la rue, dans les bistrots qui sont pas ouverts en ce moment. Et bah voilà, hein, tu peux mettre 1 euro, 2 euros, 3 euros, 3,14 euros si tu veux rendre hommage à Rodpi, tu vois. Et puis voilà, parce que j'ai regardé les tarifs chez Pierre-Jean, compliqué, hein.